Salut la famille, c'est Akina sur le Front Médiatique et nous sommes le mercredi 3 février 2021 et je suis très très heureux ce soir parce que je lance le premier épisode de la série Interligaré. Voilà une série qui va réfléchir autour de la rétro-ingénierie de la domination. Et ce soir, je vais pas être seul, je vais être avec Riton. Salut Riton. Salut Akina. On se connaît. Y a pas de problème. Ça fait plaisir, on se connaît depuis plus de 10 ans. Je suis très heureux de t'accueillir ce soir. Ça fait plusieurs mois que je parle de toi à la communauté parce que je travaille depuis maintenant de nombreux mois avec toi sur ce projet Interligaré, un projet qu'on va introduire ce soir. Et donc, j'ai la chance de t'accueillir pour cette première rencontre avec la communauté du Front Médiatique. Donc toi, on pourrait te présenter comme chercheur citoyen. Tu réalises des recherches autour de la politique et de l'histoire depuis maintenant plus de 10 ans. Voilà, tes découvertes pour moi sont vraiment passionnantes parce qu'elles permettent de mieux comprendre le système de domination actuel, à savoir comprendre qui sont les acteurs, quelles sont les structures, les institutions, les influenceurs, les idéologies, les événements clés qui permettent de comprendre notre époque. Et donc cette série Interligaré, elle va essayer de diffuser donc les synthèses de tes travaux et de nos travaux de recherche, toi en tant que chercheur citoyen, moi en tant que journaliste citoyen. C'est une sorte de laboratoire populaire de rétro-ingénierie de la domination. On va définir tous ces termes complexes. Voilà le mot intelligence qui vient du latin interligare, qui signifie lier entre eux. Voilà, alors on va tenter d'être intelligent et créatif en créant de nouvelles associations entre plusieurs idées pour mieux comprendre notre époque. Donc une émission qui va durer environ 1h30 ou 2h. On essaiera à la fin de l'émission de répondre aux questions des internautes. Voilà une émission qui va se dérouler en 6 parties. Dans un premier temps, on va essayer rapidement de te présenter, Riton, pour permettre à la communauté de mieux te connaître assez rapidement, en 10 minutes, un quart d'heure. Ensuite, on échangera sur tes travaux de recherche, savoir comment tu travailles et quels sont tes sujets d'études. Puis, on présentera plus précisément ensemble le projet Interligaré, qui est un projet commun qu'on porte ensemble. On essaye donc de mettre en valeur, de mettre en avant et de rendre accessible au plus grand nombre tes travaux de recherche. Et d'ailleurs, tout le monde sera le bienvenu pour apporter sa pierre à ce projet Interligaré. Puis, on présentera une série d'images que tu as commencé à réaliser depuis un peu moins d'un an. Des images pour essayer de vulgariser et de rendre plus accessible au plus grand nombre donc tes travaux de recherche. On présentera les synthèses que l'on a fait au cours de nombreux week-ends de travaux. Et enfin, on finira l'émission en présentant une première réalisation que l'on réalise ensemble, une carte conceptuelle sur un logiciel en ligne qui s'appelle Yed Live et qui nous permet donc d'essayer de rendre accessible, visuel et de rendre de manière lisible la densité des recherches qui sont les tiennes donc depuis maintenant de nombreuses années. Voilà, vraiment, je suis très heureux parce que ça fait longtemps que je vous en parle depuis le mois d'octobre. Et bien enfin, on est début février 2021 et donc on peut mettre un visage derrière Riton et on va ensemble un peu mieux le découvrir autour de cette soirée et surtout découvrir le projet Interligaré que je porte avec lui. Alors pour commencer, Riton, est-ce que pour la communauté, tu peux te présenter rapidement ton parcours sans forcément rentrer dans les détails, mais voilà, après je te poserai aussi des questions un peu sur ton expérience militante